Tous les amateurs de sport automobile ont sans doute déjà vu la mythique Peugeot 905, une voiture incroyable techniquement qui a gagné deux fois les 24 heures du Mans, mais qui symbolise aussi une période très sombre de cette course, digne du conflit Fisa-Foca. Les années 80 en sport automobile, c'est la démesure. En Formule 1, certains moteurs dépassent les 1300 chevaux. Les groupes B font trembler les spéciales de rallye. Et en endurance, les groupes C atteignent des vitesses qui frôlent les 400 km/h dans la ligne droite des Hinaudières. L'an dernier, avec Alex, alias le dormeur du Val, nous vous avons présenté la renaissance des 24 heures du Mans. Et qui dit renaissance dit qu'avant, mais il y avait quelques petits trucs qui étaient pas nets. En effet, ces quelques petits trucs pas nets, c'est en gros la presque mort de l'endurance. C'est le scandale des 24 heures du Mans de 88 à 93. Soyez les bienvenus dans cette mini-série de 3 épisodes que j'ai l'honneur de vous présenter avec Alex, le dormeur du Val qui est présent pour une troisième saison. Le conflit des 24 heures du Mans, c'est parti. Disclaimer avant de commencer, je vous ai mis en description le lien d'article écrit par Laurent Chevaux sur 86400 qui raconte en détail justement toute cette période très sombre de l'endurance et des 24 heures du Mans. Vu qu'on s'en est quand même pas mal servi, c'est tout à fait normal de le mettre en avant. Donc pour ceux qui sont curieux et qui veulent en savoir encore plus, allez voir ces articles. On s'est pas servi que de ça, mais globalement, vous allez voir en lisant les articles, c'est tellement complet que c'est difficile de passer à côté. Donc voilà, on commence. C'est en 1982 que le groupe C est créé par la FIA. Cette nouvelle catégorie remplace les groupes 5 et les groupes 6, dont les Porsche 935 et 936 étaient les reines. Mais il ne faut pas non plus oublier les Renault Alpine A442B qui s'est imposé avec Pironi et Josso en 78, et l'artisanal Rondo qui a remporté l'édition de 1980 avec encore Josso et son concepteur Jean Rondo. Une histoire qui mérite une vidéo. L'espoir est de taille avec l'arrivée des groupes C car le but est de redynamiser la catégorie en mettant l'accent sur le développement des moteurs, et plus précisément sur la consommation. Chose qui peut faire peur. Mais c'est une chose qui donne naturellement de l'équité entre les constructeurs qui sont finalement assez libres. Mais malheureusement pour le spectacle, l'engouement autour de la catégorie est réduit à néant après le départ de Rondo, de Ford et de la faiblesse des Lancia. Porsche domine donc facilement et les officiels se battent avec les privés. De 82 à 87, c'est un cavalier seul de Porsche, au grand dam du public. Mais l'intérêt revient fin 1985. Tom Walkinshaw annonce l'arrivée de Jaguar XJR6 pour le championnat du monde de voitures de sport. Et immédiatement, les Jaguars font peur à Porsche en décrochant une troisième place pour leur première course. Et c'est ainsi que la bagarre entre Jaguar et Porsche est lancée. Mais il y a un problème. L'esprit réglementaire qui donne beaucoup d'importance à la consommation de carburant est de moins en moins populaire. Lors de petites endurances, il peut arriver que la fin de course soit une loterie à cause des pannes d'essence. Le combat politique est alors lancé. Jean-Marie Balestre, le président de la FISA, voulait copier l'IMSA avec un système de bride pour remplacer les limites de consommation. Mais Porsche ne l'entend pas de cette oreille. Depuis le temps qu'ils développent leur Flat 6 et la consommation, et sous la pression du constructeur allemand, Balestre cède. Et vous commencez à connaître Balestre, il n'aime pas qu'on lui résiste. Bref, entre-temps, Toyota, Nissan et Sauber Mercedes sont venus garnir la grille de départ du championnat du monde d'endurance. Les Japonais sont surtout intéressés par les 24 heures du Mans, beaucoup moins par le championnat d'endurance de l'époque. Alors que le championnat d'Europe de voitures de tourisme, le TCC, est en perdition depuis quelques temps, Max Mosley débarque avec une idée. Des voitures aux allures de série, parce qu'à la base ça reste malgré tout du tourisme, mais dans leur conception interne, eh bien ce serait totalement libre. Max Mosley est à ce moment-là le président de la commission des constructeurs de la FISA. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi ce con nous parle de tourisme et pas d'endurance? C'est totalement normal. Vous êtes perdu. J'ai oublié de préciser en début de vidéo qu'il valait mieux être accompagné d'une ou de deux boîtes de Doliprane pour cette série de vidéos. Parce que sinon c'est compliqué, mais sinon vous pouvez la regarder plusieurs fois. Ce qui m'arrangerait. Bref. L'idée de Max était de mettre des moteurs 3.5 litres identiques à la Formule 1 dans ses voitures aux silhouettes de série. Et cela devait attirer des constructeurs en masse, parce que les liens entre ce championnat qui deviendrait mondial et la Formule 1 seraient plus étroits. Enfin, mettre des moteurs de F1 partout, ça ne pose pas un léger problème de coût?
C'est ainsi que naît la catégorie Procar, ou Silhouette, et Max Mosley va avoir un gros soutien dans cette affaire, celui de son maître Bernie Ecclestone. Bernie, il sent bien les coups qu'il rapporte, et il croit en l'idée de Max Mosley, son bras droit. Mais il y a autre chose dans la balance. L'arrivée de plusieurs constructeurs en groupe C attire forcément des groupes qui veulent en profiter. Notamment IMG de Mark McCormack, qui a également une belle ardoise dans notre sport. Ce dernier est en passe de devenir une sorte de Bernie Ecclestone pour l'endurance en gérant l'arrivée de différents sponsors. De beaucoup de sponsors. Et Bernie, qui a déjà la main sur la Formule 1 ainsi que d'autres catégories, n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. Par contre, l'idée de gros contrats TV bien juteux ne le laisse pas indifférent. Le concours de bites est lancé. Aussi, le sport auto entre à l'époque dans l'ère du sport spectacle, et un sport devient de moins en moins viable s'il n'est pas télécompatible. La question qui se pose alors à l'époque est que faire de l'endurance avec des courses de 6, 12 ou 24 heures? Comment attirer des novices avec des formules aussi longues? Le groupe A qui a été relancé en championnat du monde redescend aussitôt en championnat d'Europe fin 87. Ainsi, les silhouettes allaient prendre la relève. De plus, les règlements moteurs sont modifiés pour attirer les constructeurs, dont Porsche. Pour ce qui est des courses, leur durée serait comprise entre 50 minutes et 1h15, ce qui est télévisuellement intéressant. Malgré tout, les constructeurs hésitent encore. Ils hésitent? Ok, alors les instances vont changer de méthode pour les convaincre. Si l'idée de mettre des 3,5 de Formule 1 dans des voitures de tourisme semble fantaisiste, alors l'idée de convaincre des constructeurs de venir l'est d'autant plus. Toutes ces mesures prises ne vous semblent-elles pas trop grosses pour ne pas y voir d'autres intentions? Le groupe C fait de l'ombre à ses voitures de tourisme aux moteurs de Formule 1 qui doivent devenir en championnat du monde. Et donc ça fait de l'ombre à la FOCA et la FISA. Donc plusieurs choses sont mises en place, dont le but d'inciter les constructeurs qui s'engagent en endurance de rejoindre ce championnat de tourisme. Dorénavant, seuls les turbos 2 litres 8 sont autorisés, donc en gros que ceux de Porsche. Coup dur pour Toyota, Sauber, Mercedes, Nissan et Jaguar qui développaient d'autres cylindrés. Rien ne vous choque? On autorise les 2 litres 8 flat 6 turbo Porsche en silhouette et on interdit tout autre moteur en endurance à partir de 89. A partir de là, toute naïveté est écartée. On cherche clairement à tuer l'endurance au profit de ce nouveau championnat de silhouette. Le tout au profit de la FISA et de la FOCA dont la poule aux œufs d'or n'est d'autre que la Formule 1. Après avoir foutu la merde dans l'aspect technique, il faut maintenant foutre la merde dans l'aspect commercial. Faut pas faire les choses à moitié. Faut y aller à fond dans la vie. Voilà, faut pas hésiter. Le championnat du monde de voitures de sport sera renommé Challenge Incontinental à partir de 1989, ce qui est beaucoup moins vendeur. Oui, ce sont des coups bas. Et non, ce n'est pas fini. Il est annoncé pour 1991 que le groupe C adopterait une réglementation unique avec des moteurs atmosphériques de 3,5 litres comme ceux de la Formule 1. Et donc, le tourisme, l'endurance et la Formule 1 marcheraient avec la même formule. Paye ta diversité, hein. Bref, du coup, en endurance, ça ne sera plus du groupe C. En 88, Jaguar mettait fin à la domination de Porsche au bout d'un duel de 24 heures, l'une des éditions les plus mythiques de cette course. C'est la première fois depuis des années qu'on dépasse 200 000 spectateurs au Mans, et en 1989, c'est Sauber Mercedes qui triomphe dans la Sarthe. Le groupe C marche du tonnerre avec plusieurs constructeurs qui se tirent la bourre, ce qui fait de l'ombre à la Formule 1, car les constructeurs pourraient préférer aller en endurance. La FIA et la FOCA ont donc décidé de tuer le groupe C, et toutes les manipulations seront de mise. Finalement, on se demande pourquoi cette formule n'attire pas du tout les constructeurs. Ecclestone, un patron de Brabham, demandera à Alfa Romeo de développer une voiture et c'est comme ça que la 164 Procar voit le jour. Mais un constructeur pour un championnat, ça fait pas beaucoup. En réalité, il y a Peugeot qui se montre intéressé. Après avoir gagné en WRC, puis à Pikes Peak et au Dakar, la marque Lyon veut bien tenter la formule de tourisme moteur de Formule 1. Et Peugeot aura un impact très important dans ce conflit des 24 heures du Mans. Bon, mettre des moteurs de Formule 1 dans des voitures de série, c'est un échec, mais Balestre, Ecclestone et Mosley ne s'arrêtent pas là. Ils conservent cette idée et vont l'appliquer à l'endurance. La FISA annonce que le sport 3,5 litres atmosphérique sera la formule unique pour le championnat du monde de 1991. Mais elle sera mise en avant en 90 en bridant les groupes C potentiellement bien plus performantes sur les longues courses. Donc, au Mans. L'avenir s'assombrit pour les constructeurs du groupe C, mais ça ne s'arrête pas là.
Bernie Ecclestone veut offrir à ses spectateurs, de toute évidence beaucoup trop cons pour apprécier une course d'endurance comme il se doit, des courses réduites de moitié, donc passant de 1000 à 500 km. Sachant qu'un Grand Prix de Formule 1 dépasse à peine les 300 km de course, l'aspect endurance devient vraiment secondaire. Autre obligation, tous les constructeurs devront faire l'intégralité de la saison. Alors, quand on est familier avec la Formule 1, ça semble logique, mais tous les constructeurs ne voulaient pas faire toute la saison. Par exemple, Toyota. Toyota, ce qui les intéressait, c'était les 24 heures du Mans, ou encore la course à Fuji. Mais c'est tout. Et en soi, les 24 heures du Mans, c'est la raison pour laquelle tu fais ce championnat. Le problème, c'est que l'endurance, ce ne sont pas que des constructeurs aux grands moyens. C'est aussi, voire surtout, des privés. Moins fortunés, mais qui font le charme et la diversité de l'endurance. On dit groupe C, mais en réalité, il y a la catégorie C1, qui regroupe des voitures développées par de grands constructeurs, et la catégorie C2, où les bolides sont plus artisanaux. Et ces derniers sont très importants. Et pour certains avec des budgets limités, il est impossible de se rendre en Amérique et au Japon. Et avec cette obligation réglementaire, ils encourent une amende de $250 000. $250 000 qui valent aujourd'hui plus de $600 000. C'est énorme. Et le ridicule ne s'arrête pas là. En raison de la diminution de la durée des courses, la faute à qui ? Il n'y aurait plus qu'un seul pilote par voiture. Mais attends une minute, on n'a pas déjà une catégorie qui utilise des moteurs atmosphériques 3 litres 5, qui ont des courses longues, mais pas trop, ce qui convient à la télévision, et qui ont un pilote par voiture ? Eh si ! Eh, c'est la Formule 1 ! Non, mais vous savez, Steve Jobs n'a rien inventé, hein. Vendre à peu près le même produit que celui d'avant, et les gens vont acheter. J'ai qu'à faire les mêmes vidéos, moi, pourquoi je me ferais chier, en fait ? Alors ne croyez pas que les constructeurs accueillent à bras ouverts tous ces changements, au contraire, ils n'apprécient pas du tout. Mais la FISA les menace de briser un accord tacite qui favorise les constructeurs face aux privés. Bref, c'est la merde. Fin 1988, la FIA arrête le championnat d'Europe de tourisme, le TCC. Bilan, en 2 ans, ils ont détruit cette catégorie autrefois mythique et plongent les 24 heures de Spa dans l'embarras le plus total. Mais au milieu de tous ces organismes politiques qui dirigent le sport automobile, il y en a une qui n'est pas vraiment d'accord avec les agissements de la FOCA et de la FISA. C'est l'ACO qui organise les 24 heures du Mans. Après tout, c'est cette course qui fait que les constructeurs veulent s'engager en championnat du monde. Du coup, ils ont leur mot à dire. Mais l'ogre FISA-FOCA est vraiment très très lourd. Et voir ce qui fait la beauté de leur course depuis quelques années être affaibli de la sorte ne les enchante pas. Mais l'ACO va se retrouver embarrassé lorsque Peugeot annonce son arrivée en endurance aux 24 heures du Mans en 91. Un constructeur français dans la Sarthe, ça fait vendre. Et l'ACO doit le prendre en compte. Voilà qui déstabilise un petit peu le rapport de force. Et c'est sur ça que nous nous arrêtons aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que cette première partie de cette mini-série du scandale des 24 heures du Mans vous aura plu. Encore une fois, merci beaucoup à Alex, hein, parce qu'il m'a... c'est lui qui m'a filé le lien de ses articles et qui m'a vraiment fait connaître en fait ce merdier. Et encore, vous avez rien vu, hein, c'est lourd. Hein. Ouais, il faut bien que je vous tease la suite. En tout cas, j'espère que les boîtes de Doliprane ne seront pas encore vides, parce que vous en aurez besoin pour la suite. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci Alex. Si cette vidéo vous a plu, 5 gestes importants, commentaire, abonnement, partage, cloche et pouce bleu. Oh putain, je le fais dans le désordre, mais ça marche quand même. Oh là là, je suis incroyable. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord et Twitch, avec la piste, tous les liens en description, le lien aussi des articles de Laurent Chevaux, tantôt. Description, je vous invite à aller les voir, quoique, attendez, lisez le premier et la moitié du deuxième, voilà, parce que bon, n'allez pas vous spoil ce que je dois vous raconter, parce que, enfin, ce qu'on doit vous raconter, parce que ce serait emmerdant, mais bon, faites comme vous voulez, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les 24 heures du Mans, à la prochaine. Non mais c'est terrible, hein. D'ailleurs, j'en profite que vous soyez encore là pour vous le dire, hein, parce que si vous êtes encore là, c'est que vraiment vous en voulez, hein, donc ça, merci à vous tous. Vendredi, vendredi qui arrive, le soir, on fait un live sur le circuit. On va parler des 24 heures du Mans de cette année, mais aussi vous pourrez poser toutes vos questions sur ce conflit. On y répondra évidemment avec plaisir, avec Alex. Donc voilà, soyez au rendez-vous vendredi. Le prochain épisode, ce sera mardi. Ouais, mardi. Pour l'épisode 2 de cette série. Mardi, c'est bien, mardi. Ouais. Nickel, bon, des bisous, hein.